pour vous. Donc ça gagne 3 jours. Équipe G9 là, en parlant de barbecue, monsieur te recevoir presque une dizaine de zam manche long. Zam sa yo, yo te rentré. Donc ça fait 11 semaines. Mkwe zam sa yo rentré aux environs de 1h du matin. Et al jouen barbecue directement. Et te gagne une dizaine zam manche long. Te gagne plusieurs zam manche kout. Et te gagne plusieurs caisses balles. Que qui t'est venu joindre monsieur Sayo, donc équipe G9 là en famille, en parlant de l'équipe de barbecue, madame monsieur. Donc zam continue à rentrer dans pays, hein? Zam continue à chanter dans pays, hein? Donc jusqu'il est, donc population haïtienne a joint un souffle. Et me croit que me pral font ti considération sous question ça toujours, oui, mais nous voulons rester, donc rester raide pour nous expliquer, eh bien, justement, situation donc dans le pays d'Haïti. Ils ont obligé de voyer ces camions nègres. Baï, monsieur en roi, de concert avec Tilapli. Libéré Haïti, vous allez où? Mais comment? Voyez ces camions nègres. Voyez by monsieur en roi en parlant de Kempes. Chargé garçon. Garçon qui a défilé. Garçon pied à terre. Garçon bout de pantalon. Garçon parité garçon. Garçon gros cheveux. Garçon petit cheveux. Garçon bout de pantalon. Garçon gros pantalon. Est-ce qu'on a? Garçon bosé. Garçon. Puis aller aider monsieur Goumen. Ah, monsieur décidé. Attaquer Belé directement. Mais, ça passe là. Vous tendez au jour consacré, oh mes amis, Solino, Delma, 24, Kafou Payan, et Bloc Nazon, est-ce que la avenue pour plat, bagala net, Delma 2, 4, 6, Tokyo, bah la red. Ça qui passe. T'es une bonne bagaille là. G9, en famille et allié, paraît plus que nèg équipe Kempesio. Paraît plus. Parce que, attention, oui, ou gagne G9, en famille et allié, ou gagne nèg Maya, ou gagne Base 90. Donc, et là encore, Solino poko vini non, parce que Solino poko konte là. Et m'bralou, qui s'arrive Solino là, qu'on y est, mesdames, monsieur. Et bien, ça passe. Goumi a pété. Le goumi a pété. G9 a obligé avancer sous neg beleyo, sous Kempes. Sérieusement, coup de balle, femi kalao. Et puis Kempes lui-même, mais le bon, ses nouveaux âmes, zam neuf. Monsieur connaît le pas dans jouet. Coup de zam fait mille kalao. G9 a progressé vers Kempes. Et Kempes, li pas qu'à prendre direction, par exemple, et en face palais, mais bon, local la mer. Il pas qu'à prendre direction d'aider autour. Qui pas bon pour yo? Eh bien, Belé obligé, donc Kempes obligé à chercher une série de zones de refuge. Est-ce que là? Et c'est pour ça, après, par exemple, monsieur obligé, donc, virer zone et virer tête canoli vers Solino. Qui déjà lui-même, pas dans ses collés avec nèg sa yo. Même si Zamien dit que c'est bon citoyen Crète Solino, mais nous croyons, c'est pas vrai. Est-ce que là? Donc, c'est ça. Oui, oui, oui. Moi, déjà, j'ai information ça. Et France. Et c'est pas seulement deux noms, m'bral bay d'état là plus oui. Alors ça ka rive gen deux encore même m'bral bay d'état parce que yo prend cinq moun là, yo prend quatre femmes, un garçon et un petit moun, m'bral bay d'état là ça et ça passe là en général moun ça tout en dans belé. Maintenant, mesdames monsieur. Donc yo obligé donc vide corps sous Solino, yo obligé à Delma 24 ka fou payan. Il est obligé de prendre un bloc nazon et rentrer sous avenue pour là. Donc, monsieur Kempes est obligé à chercher un refuge. Il est même quelque part pour être capable de laisser frapper. Raison simple. L'on prend base 90.
li égal avec G9. Nèg sa yo, yo kote kempes. Le pran Maya qui fait allié avec 90 et toujours G9, yo en face Kempes. Kempes gen Maya en face li, li gen G9 en face li. L'aime dit G9 ou met dit cracher du feu tout en face li. Et puis gagne tout donc monsieur 90 yo bal 90 donc qui en face monsieur tout lui-même. Parce que bah la red pour Kempes là en général et c'est une raison qui fait ouais Nazon obligé frapper Solino frapper Kafou Payen frapper Bloc Nazon frapper Abdi pour la frapper parce que zone ça yo c'est équipe Kempes là qui obligé justement prendre zone prendre zone prendre zone prendre zone parce que il pas capable justement donc et fait face qu'à arrêter un seul côté pour le goumen à ennemi parce que raison simple. Là prend par exemple coin Maya. Ma bon détail oui là. C'est moi qui a bon détail ça, autant de bien parce que là ma bon caricature de fond en comble pour dire monsieur malgré me pas dans pays là même compte situation, me compte zone yo. Là prend par exemple coin donc Maya, bon gauche. Na obelé ou joine par exemple nek 90 yo. Est-ce que là ou joine nek 90 yo madame monsieur et ou joine équipe Maya qui est égal à Maya là prend bord droite donc belé les lèm di bord gauche là au belé a lèm di bord gauche au belé par exemple ou joine 90 ou joine Maya là joine par exemple bord droite Kempes est-ce que là ça veut que en haut là 90 a frappé et ou gagne Maya frappé donc et dans coin Maya bord gauche Konya, ou gen bord droite là. C'est toujours là Konya, c'est cracheur du feu. Kap marche sous nek sa yo Konya bord droite Kempes. Konya en face Kempes. Qui se joine? Ou joine Delma 2, Delma 4, Delma 6. Ou joine Tokyo? Ya ya, attendez oui. M'a baïdé ta la bien pour nous parce que j'ai l'impression que nous pouvons vouloir comprendre ça passé là. T'es bon pour nous encore. Dans coin Na coin Maya bon gauche na obele ou joine base 90 cap frappe ya monsieur OK ou joine base 90 cap frappe ya monsieur go na voilà oui et donc belles ndegado seke nèg yo vle finiak dossier Kempes là nan belè Solino a frappé derrière après ça tout G9 là a poussé à joine nèg Solino yo situation grave. Nan moment que la paye là en pile coup de balle a tiré donc entre G9 et puis équipe Kempes là. Mais bon, le ou prend par exemple à droite, à gauche, ou jouen nèg Maya 90, à droite ou jouen cracher du feu et ou jouen en face Kempes là lui-même. Donc ou jouen Delma 2, Delma 4, Delma 6, ou jouen Tokyo cap frappé. Et là en haut là sous Solino que monsieur Kempes a cherché un refuge pour goumen cap élargi et bien gagné équipe Solinoa qui gagne la donne policier et bandit tout donc cap fait on laisser frapper et bien avec équipe Kempes là donc son bataille qui est très dur dans moment que n'a écrit là donc mesdames messieurs mais femme de tout en général c'est que et bien et barbecue dit pas gagne camper même barbecue dit pas gagne camper. Barbecue dit pas gain campé. Saluer donc James Jérôme. Comment est James Jérôme? Salut au frère. Respect pour vous. Barbecue dit pas gain campé. Donc, tout à l'heure, équipe Genève là. Donc, en parlant équipe de barbecue, équipe n'est craché du feu. Yo mette main sous quatre femmes. Yo garçon et puis yon timoun. Ok? Mette main sous quatre femmes. Yon garçon et yon timoun. Donc yo vide balle sous femme yo pa pran balle yo obligé rache moun sa yo à coute manchette yo descend avec yo yal mete yo nan fou Delma 6 nan moment que m'a parlé avec nous là moun sa yo a boulé nan fou Delma 6 là c'est l'équipe de Genève là qui donc pose action sa yo prend quatre femmes un garçon
et puis on ti moun donc moun sa yo et fils sa yo fait connait que yo gen point donc bal pa katouye yo et bien c'est à coup de manchette donc yo touye moun sa yo et bien actuellement moun sa yo donc y a boulé d'accord y a boulé et y a boulé nan moment que m'a parlé avec nous là y a boulé et bien nan fou Delma donc et 6 là mesdames messieurs donc situation paraît extrêmement difficile donc j'en nous là c'est que situation belle boss là qui est arrivé donc sous la mer hein, c'est ton question de zam que negyo t'a pris à chercher la vito en général pour te voyer by équipe Kempes là mais puisque nek sa yo yo fait un accord yo et bien actuellement là Kempes gagné avec équipe Gravine non li gagné justement équipe Isoa que te voyé on 5 camions nek by monsieur 5 pick-up nek by monsieur là donc amélé avec nek nek Iso et maintenant c'est la prio et donc à Gravine donc qu'elle fait le se frapper et avec équipe Genève là donc comme allié donc Iso et allié Kempes dans Belé situation extrêmement difficile grave dans grave et mais là qu'on est en pile monde cap quitter Delma 2 Delma 4 Delma 6 donc monde Belé a couru et par ci par là donc situation extrêmement difficile dans moment que m'a écrit avec nous là donc mesdames messieurs de ce fait ils ont pas jambe bilan basse tête donc nous obligés à prendre toutes les précautions nécessaires et même possibilité pour nous dans le studio de l'autre côté. Ouais, sourire là et Louko ba la grave. Non. Écoutez monsieur, je ne peux pas tout vous dire ce matin. Ouais. Et je ne peux pas tout vous dire ce matin. Mais actuellement là moi j'ai nécessité pour me donner une tête. Je n'ai pas comme la police derrière moi devant. Nous connaissons, mais ce n'est pas tempérament, ni ce n'est pas intéressant à faire. Yeah. Donc, c'est pour ma sécurité. Mm-hmm. Ok? Mm-hmm. Donc, si l'imam s'est organisé là, donc, on dit à demain avec direction générale radio, est-ce que son compagnon est privé? Non, ou obligé qu'il y ait une sécurité? Non, pas moi. La situation qui est obligée. Il m'a dit ça. La direction générale de la radio s'inquiète. Ouais. Ok? Et la direction générale de la radio, obligée très impliquée dans le tout. Mm-hmm. Non. Encourager, organiser ça. Donc, pas besoin de vous. Bien que l'émission, sur l'émission, ça dit là, Daniel, pas rien à propos avec Radio Éclair. Ouais. Mais Radio Éclair, quand même, était une famille. Non, c'est quand même deux partenaires. Donc, la direction est très inquiétée. Bon, en tout cas, de toute façon, on a fait travail à nous. Et je crois qu'on a continué à faire ce que nous faisons là. Avant de recevoir le professeur Gassin, on regarde quelques points rapidement. Mm-hmm. Yeah. Donc, que nous sommes capables de faire un débat sur eux. Et avant de recevoir le professeur Gassin. Mm-hmm. Ok. Le sénateur Moïse Jean-Charles, de retour en Haïti, après avoir visité la Russie, a-t-il rencontré le président Vladimir Poutine? Moïse Jean-Charles! A-t-il rencontré le président Vladimir Poutine? Effectivement, bon. Madame, Monsieur et Isaïe César, je crois que nous tous nous dévoilons. Vidéo, ça qui est en boucle, côté que sénateur Moïse Jean-Charles arrivé. Mm-hmm. La Russie, et il était maquillé tellement, il était mettait bagage sur lui. Mm-hmm. Au bon, il a tellement mettait mal, il mettait pas le tout. Il est vrai dire, oui. En tout cas, n'importe là. Il mettait pas le tout sur lui, pas le tout, grand homme, mais presque pas reconnaître, c'est la terre, mon cher. Mais, et mon gars a dit que, il n'y a pas qu'à aller, en tout cas, lever des filles, lui, il veut la Russie, bien entendu, hier. Il a eu chance de retourner dans le pays, donc il n'y a pas en vol Sunrise au Cap Haïtien. Mm-hmm. Il a été accueilli, donc chaleureusement, par ses militants. Mm-hmm. Mais ça qui paraît dans l'accueil du sénateur Moïse Jean-Charles au Cap Haïtien, c'est qu'il y a toute couleur de drapeau. Il y a un drapeau la Russie, mm-hmm. Il y a un drapeau Venezuela, il y a un drapeau Cuba, il y a un drapeau haïtien. Et puis il y a un drapeau rouge et noir. Et bien pour Papa Desalines. Mm-hmm. Maintenant, l'idée qu'il y a une conférence de presse à certains journalistes. Et dans un homme avec le parler, il dit que n'y pas quoi un monde pensait qu'ils sont un monde qui fout. Mm-hmm. En temps de guerre, pour ta venir invitation, pour ta quitter Haïti, pour faire presque 26 heures de temps de vol, mm-hmm.
pour t'as la Russie et que c'est pas ton bail sérieux dans l'église la Russie. Ok? Donc je viens de lui parler ce matin. Il dit nous désir annoncer Moudou un matin à 10h dans l'émission matin de bon bagage. Pour me connaître, ça va aller. Il est même connaître. Il est posé une petite question. Il dit est-ce qu'on est président? Est-ce qu'on est au roi? Il dit nous désir annoncer Moudou un matin à 10h dans l'émission matin de bas. Nous allons parler. Bon, on okay. A bien compté par la Moïse. Captain président Moïse. Il y a envie qu'on ait un paquet de bail tout. Mais si t'es pour arriver, l'arrivée. Il passe Cuba, il passe Venezuela, et puis il est tombé la Turquie, et puis après ça, il est arrivé la Russie. Ok? Nous sommes les affaires Turquie, et ça a coûté le président Jovenel Moïse. Ah bon? Donc, sinon, oui. Vous montez donc, la première information suite à l'assassinat du président Jovenel Moïse. Là. Maintenant, nous avons fait débat sur les réseaux sociaux. Mais maintenant, on continue là rapidement, mais parce que c'est pour ça nous la matin. Yo moi Jean-Charles qui t'a rencontré Vladimir Poutine. T'as rapporté vous les aïe. Bon, moi je pense que Vlad dit un paquet de bagaille. Rencontrer avec un président puissant comme ça en dehors de pays. Ça veut dire un paquet de bagaille, vous connaissez. Ouais. C'est après une soufflette pour l'Occident. OK? Premièrement, c'est après une soufflette pour l'Occident. Qui t'a refusé, n'est-ce pas vrai, entrer Moïse Jean-Charles la caillou. Yo coupé visa Moïse Jean-Charles. Donc Moïse Jean-Charles dit lui-même, pendant yo coupé visa là, il traverse à l'autre bois. Qui ça va servir avec lui? Nous pas connaît. Sinon que dans les prochaines élections, la va jouer en pile parce que gen pile moun là dans pays qui estime que les États-Unis d'Amérique, OK? Non hypocrisie, on dit l'Occident même, non hypocrisie avec peuple haïtien qui a fait face à gros difficultés. Je ne veux dire là au moins Jean-Charles qui déplacé à l'oué président la Russie voulait dire un paquet de bail. D'ailleurs, déplacé seulement pour la Russie comme leader politique, lui voulait dire un paquet de bail. Très bien. Mon cher, nous avons maintenant des professeurs Gracien qui s'invitent à nous mettre quand même à ce sujet. Nous avons tout avec le docteur. Docteur Gracien Jean et dans le cadre géopolitique, et qui ça rencontre Moïse Jean-Charles? Alors, qui ça déplace Moïse Jean-Charles de Haïti étant alors, pour aller à Russie? Possibilité de rencontre. Bon, malheureusement, c'est pas encore confirmé. Est-ce que vous avez rencontré? Si tu as rencontré Vladimir Poutine comme président, qui ça a capoté? Qui ça a capoté? Ça a capoté pour lui. Pour lui ou bien pour pays? Non, pas dit directement pour pays, mais en matière géopolitique, psychologiquement, la gagné un effet en matière de relations internationales, en termes de pôle sur les États-Unis, les nous condamnent, ça, États-Unis représenté pour Haïti, et pas oublier que nous, à quelques heures des États-Unis, disons, c'est 26 heures, là, d'ici, on monte cap pour un bus, pour aller au Cap, sous pour un avion, après, plus vite, là, aux États-Unis, qu'arriver au Cap. Donc, il y a un poids, et dans ce sens, il y a un poids géopolitique, et ça capable de faire psychologiquement que tant qu'après réfléchir aux États-Unis yo capable commencer garder dans qui mesure yo capable reviser l'autre lecture pour que Paul ça pas vienne permettre que vienne gagner une influence en russe en Haïti.